Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Mario Kart 8 Deluxe est de retour sur la Switch. Souvenez-vous, au mois de mars, je vous présentais le nouveau DLC, le contenu additionnel, qui permettait d'ajouter de nouveaux circuits au jeu. Nous avions vu ensemble la première vague, comprenant deux coupes et donc 8 nouveaux circuits. Et bien, depuis début août, ça y est, la vague numéro 2 est sortie. Donc, nous allons découvrir à nouveau, et bien, deux nouvelles coupes et donc 8 nouveaux circuits, ça en fait déjà maintenant 16 et ce n'est pas terminé puisque nous avons encore quelques vagues qui vont arriver. À mon avis, je prédis la prochaine vague pour cet hiver avant les fêtes de Noël. Alors on va les découvrir ensemble. Donc là, je vais choisir mon perso. Vous avez vu, j'ai pris Link et on va lui trouver un petit véhicule sympathique. Non, ça c'est pas top. Les motos, c'est pas trop mon truc. Et je vous rappelle que ce DLC permet donc un contenu additionnel, une option donc, que vous téléchargez et que vous achetez sur le Nintendo eShop, vous permet donc de découvrir de nouveaux circuits qui ont tous été empruntés aux précédentes versions de Mario Kart 8 sur les anciennes consoles. Le tout, bien entendu, remis au goût du jour. On en parlera en détail, circuit par circuit. Là, c'est pas mal. Avec la paravoile, c'est plutôt top. Alors, là, vous avez donc les coupes traditionnelles que vous avez dans le jeu, comme d'habitude. Et le contenu additionnel se trouve à la page d'en bas. Là, vous voyez, pour l'instant, c'est vide. Ce sont les vagues qui n'ont pas encore été lancées. Nous, on a vu la coupe turbo dorée et la coupe Maneki Neko. Ça, c'était au mois de mars. Les nouvelles, eh bien, elles sont juste après. Ce sont ces deux-là. Vous avez tout d'abord, eh bien, la coupe Navet. Elle est là, avec 4 circuits. Et juste à côté, vous avez la coupe suivante, c'est la coupe Hélico. Donc, on va les faire toutes les deux et découvrir ces nouveaux circuits. Les autres, eh bien, dès que ça sortira, je vous présenterai, bien entendu, les autres vagues et les autres nouveaux circuits. Pour l'instant, on commence, eh bien, avec la coupe Navet. Le but, c'est de vous montrer les nouveaux circuits que vous avez à disposition si vous avez acheté ce DLC. Vous pouvez d'ailleurs toujours le faire encore sur le Nintendo eShop, bien entendu. Et on commence avec l'escapade new-yorkaise qui a été empruntée de Mario Kart Tour, qui est donc la version smartphone que vous pouvez télécharger sur votre téléphone. Escapade new-yorkaise. Eh bien, déjà, je sens que ce circuit va me plaire. Il est magnifique. Petit tour à New York, ça vous dit? Allez, let's go. 3, 2, 1, c'est parti. Et donc, j'ai choisi, vous l'avez sans doute vu, la catégorie sans cesser. Le but, c'est simplement de se balader dans les circuits et de vous les montrer et pas vraiment de jouer la compète. Donc j'ai pris la difficulté intermédiaire. Là, nous sommes dans un parc. Ça doit être Central Park, à mon avis. Et je suis déjà deuxième. Tout le secret réside dans le drift. Plus vous faites des dérapages longtemps, plus vous avez des boosts de vitesse qui vous permettent d'aller en première position. Là, ça bouge bien. Ah, il y a même la petite cathédrale, excellent, qui est présente. En face de nous, nous avons la même l'Empire State Building, des petits marchands d'hot-dog également. Ah, c'est excellent. Et je vous dirai pour chaque coupe, quel est mon circuit préféré. Ça doit être le Madison Square Garden. Là, nous sommes sur Times Square. Ah, c'est trop beau, excellent. Et nous revenons dans le parc. Attention, Goombas qui se balade. Ah, ça c'est même le musée, ça doit être le... C'est le Met, j'y étais. Un très très beau musée. Qui se trouve d'ailleurs en bordure de Central Park, donc c'est même plutôt réaliste. Hein. Et on a entamé le tour 2 déjà. Et ça y est, je suis premier, ça a duré un petit moment. J'espère pouvoir être premier sur chacune des courses et remporter la coupe. Ah, là, je suis deuxième. Allez, dernier tour. Il faut qu'on garde la pole position. Tiens, je suis pas encore passé par là. Un parking souterrain.
Excellent ce niveau, franchement, trop classe. Donc si vous avez fait le tour et le, encore une fois le tour de Mario Kart et que vous êtes lassé, eh bien ce DLC, ce contenu additionnel est vraiment une bonne idée. Ça permet de relancer justement l'intérêt du jeu. Yes! Premier! Bon, c'était relativement facile, hein, je dois vous avouer. Alors découvrons maintenant... Oh oui! Le circuit mythique! Circuit Mario 3, issu de la Super Nintendo. Et je peux vous dire que ce circuit, je le connais, pour y avoir passé des heures et des heures. Et bien entendu, il a été remis au goût du jour, mais c'est le même circuit. Oh oui! Et en plus, c'est la même musique! Ah si, c'est pas extra ça. Que de souvenirs sur ce circuit. Et je suis déjà premier. Le tout dans le drift, regardez ça. C'est une véritable balade de santé, hein, comme vous le voyez. Mais un tel plaisir de pouvoir... Oh là, de pouvoir rejouer à ce circuit, honnêtement. Et c'est déjà le dernier tour. Allez, allez, on y est presque. Oh, j'ai une très très bonne avance, regardez sur la carte. Wario est quand même assez loin derrière. Et voilà. Bon bah c'est fait, premier. Cool. Circuit suivant, directement issu de la Nintendo 64. Le désert de Calimari, les amis. J'ai pas joué à cette version-là, donc je vais le découvrir. Et on drift, on drift, on drift. Et je suis déjà premier, les amis. Incroyable. Allez, allez, on se concentre. Oh, quatrième d'un coup! Non mais c'est une blague! Allez, paf! Je repasse en deuxième. Qu'est-ce que vous pensez de ce circuit? D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein, les amis. Quel est votre circuit préféré si vous aviez joué sur les consoles originales? Pour l'instant,
Mon préféré reste peut-être New York. Mais on a encore après ça une course à faire, donc on va voir. Et là, sur celui-ci, vous avez plein de circuits, de possibilités alternatives. Par exemple, ici, cette rampe, nous l'avons pas eu tout à l'heure. Oh oui, excellent, on est carrément à contresens sur la voie ferrée, excellent. Alors attention à pas percuter le train là, hein. Faire gaffe. Je préfère ne pas me mettre trop sur les rails. Wouh ! Si c'est pas trop bon. Allez, c'est déjà le troisième tour, attention! Petit saut, hop! Alors cette combinaison de Link avec la voiture marche super bien. Yes, carapace. Je vais les balancer au cas où. Bien que... Ah, Wario n'est pas loin derrière quand même. Et c'est la ligne d'arrivée! Premier, nickel. Ouais, chouette. Excellent. Bon, allez, on va découvrir maintenant le dernier circuit de cette coupe. La coupe navet. Oh, et c'est le flipper Waluigi qui nous vient tout droit de la DS. Là, j'imagine qu'il a été vraiment, vraiment remasterisé. Il y a des lumières partout et à mon avis, il faudra se méfier des boules de flipper. 3, 2, 1. Et on est parti! Un circuit qui s'annonce hyper coloré. Oh, le tunnel psychédélique, excellent. Et nous pénétrons dans le flipper. Je vais essayer de prendre la voie extérieure, il n'y a pas de booster là. Alors, ce circuit est juste magnifique. J'adore. On drift, on drift, on drift. J'ai pas encore réussi à dépasser. Ouais, ça y est, c'est fait. Non, il m'a redépassé. Tiens, prends ça. Bim. C'est bon, je suis premier. Maintenant, va falloir que je marque l'écart pour pas qu'il me rattrape. Oh, c'est pas vrai. Il va me dépasser, bah ça y est. Attention aux boules de flipper. Je vais prendre sur le côté, moi. Ah, c'est incroyable ce niveau. Tu ne mourras pas, Waluigi. Non, c'est Wario ça. Tu ne mourras pas, Wario. Et on boucle déjà le premier tour. Ça, c'est le tunnel en fait où la balle pénètre dans le flipper. C'est excellent. Yes, là j'ai une bonne accélération. Ah, et ça suffit pas! Il est coriace, Wario, là! Oui! Oui! La belle accélération grâce au drift! Allez, je vais prendre tout droit par là. Attention, ouf, faut éviter tout ça. Éviter les bumpers, éviter les boules. Yes. Ah non, carapace. Et c'est déjà le dernier tour. Attention. Pas trop d'avance là, faut faire attention. Mais qu'est-ce qu'il est magnifique celui-ci. Bon bah c'est officiel, mon circuit préféré de la coupe navet de cette seconde vague de Mario Kart 8 Deluxe sera, eh bien, le circuit flipper emprunté à la DS.
sais pas ce que vous en dites, vous pouvez d'ailleurs me dire dans les commentaires, mais moi mon préféré c'est donc officiellement celui-ci. Allez, on y est presque. Ouf. Waouh. Il en a fallu de peu là. Et on termine en beauté, les amis. Yes! Premier, j'ai terminé donc premier à toutes les courses. J'ai donc un total de 60 points et je remporte cette coupe navet. Excellent. Alors, on va faire maintenant la seconde coupe. Et pour ce faire, on va changer maintenant quand même de perso. Ah, oh, trop classe. Petit résumé de mes courses. Eh, ça y est. Félicitations, merci, merci. J'ai donc remporté la coupe navet, j'ai 700 pièces. Et donc, nouvel élément de personnalisation. J'espère que ça sera une nouvelle voiture. On va voir ça. Comme je le disais, je vais changer de personnage. Qui est-ce qu'on va prendre? Alors, on va voir ça. On retourne donc dans solo. On va reprendre Grand Prix. Et sans cesser, je vais rester en sans cesser. Alors, qui est-ce que je vais prendre cette fois-ci? Voyons voir. Amaskas, c'est plutôt pas mal. Ah, Mario Tanuki, tiens. Il est mignon. Je vais prendre Mario Tanuki. Et ah, oui, c'est un nouveau véhicule. Oh, oui, trop classe. Alors ça, je le prends direct. Une Mercedes 300 SL. Oh, super vintage. Excellent. Ça, je vais le prendre. Alors, on va juste voir les roues. Oh, en version 4x4 Monster Truck, ça serait pas mal. Voyons quoi d'autre. Non, ça, c'est pas terrible. Ah, ça peut être pas mal. Ça va vachement bien avec la voiture. Ça fait très rétro vintage avec les pneus à flamblant. Je vais prendre ça. Et au niveau du parachute... Tiens, les nuages. Ça, c'est classe. Voici ma configuration pour la nouvelle coupe. On passe maintenant, les amis, à la coupe hélico. Sprint assiné, pays neigeux, gorge champignon et cité sorbet. On y va. Décidément, malgré son âge, Mario Kart 8 est toujours dans le coup, toujours aussi classe. Et je vous rappelle quand même que c'est le jeu le plus vendu sur la Switch. Ils sont en train de se tailler la bourre avec Animal Crossing, mais je pense que lui, il est quand même encore devant. Sprint à Sydney, emprunté de Mario Kart Tour également. Ouh, déjà, ça a l'air pas mal. Nous partons donc à Sydney, en Australie. On va voir si Mario Tanuki est tout aussi performant que Link tout à l'heure. Première course. Attention, 3, 2, 1. Et on est parti. Et je vous dirai bien entendu laquelle de mes courses sera la préférée dans cette coupe. Voilà, on a l'opéra de Sydney, magnifique. Et on rentre à l'intérieur, excellent. Oh là là, c'est beau, hein. Je suis pas encore premier. Yes, c'est bon. Maintenant, faut la garder à la position. Ouh là là, regardez la carte, j'ai déjà une super bonne avance. Bon bah ça s'annonce déjà très très bien. Oh le paquebot, excellent. Ouh, ça va dans tous les sens là. Ah zut. On est secoué là, dites donc. Trop fort. Allez, direction le parc. Bon bah c'est une balade de santé là, hein. Tranquillou, hein. Tranquille Bill. Et
Et on boucle le deuxième tour. Allez, tremplin vitesse maximum. Yes, quelqu'un vient de se prendre une banane. Trop cool. Oh là là, comme c'est classe. Ah là là, pas moyen d'éviter ces satanées carapaces. Et c'est déjà terminé. Waouh, j'ai pas vu le temps passer. Regardez comme la voiture est magnifique. J'adore. Bien. Passons à la course suivante. Bon, déjà, elle, je donne une option sur ma course préférée, celle-ci. Hein. Elle est vraiment plutôt pas mal. Maintenant, qu'est-ce qui nous attend? Nous avons le pays neigeux qui nous vient de la Game Boy Advance, les amis. Ah, pays neigeux, ça veut dire glace et ça veut dire également grosse glissade. Donc attention, on va voir ce que ça va donner. Let's go! Ah, attention, là ça glisse vachement. Aïe aïe aïe, les pingouins, forcément faut les éviter ceux-là. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Ça glisse pas trop. Là, sur la route, ça glisse pas. C'est vraiment ici, sur la glace, qu'on peut pas trop drifter. Faut vraiment insister pour réussir à glisser. Et à chaque fois, je me prends ces satanés pingouins. Allez, tour 2 sur 3. Qu'est-ce que vous pensez de ce circuit? La musique est très classe, hein. Aïe, aïe, aïe. Allez, dernier tour déjà. Waouh, il est rapide celui-ci, hein. Oh là là, je suis troisième. Qu'est-ce qui me... Vite, 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 c'est le dernier tour. Je veux finir premier absolument. Je les dépasse. C'est Bowser Junior, non? Ouais, c'est lui. Allez, 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 allez. Vite, 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 vite. Ouais, j'ai un champignon, c'est cool. Wouhou! Plein de drift. Et c'est la fin. Premier encore. Yes! Ouh! Pas mal celui-ci, franchement pas mal du tout, mais ça sera pas mon préféré. Voyons voir ce que nous avons pour la suite, la troisième course sur 4 de cette seconde vague. Oh, la gorge champignon qui nous vient de la version Wii, de Mario Kart Wii. Et ça c'est un circuit que je connais bien, car... j'avais joué énormément sur Mario Kart Wii et cette course champignon, eh bien je m'en rappelle très très bien avec les gros champignons sur lesquels rebondir. Allez, et je peux vous dire que cette course champignon est quand même beaucoup,
beaucoup plus joli que sur la version Wii, sur la version originale. Hein. Il a été vraiment bien amélioré. Bon, là, c'est une piste très rebondissante. Hein. Allez, je vais prendre la droite. Regardez, boing, boing, excellent. Allez, merci, au revoir, je suis premier. Oh, la grotte est magnifique. Avec les cristaux, tout ça. Allez, premier tour. C'est ok. Et c'est déjà le dernier tour. Oh là là, regardez, regardez sur la carte l'avance que j'ai, les amis. C'est excellent. Bon bah là, normalement, on va pas pouvoir me rattraper. Et ça y est, c'est la ligne d'arrivée. Yes, terminé. Ah, c'était réellement un plaisir de pouvoir rejouer à la Coupe Champignon. Des années après l'avoir faite sur la Wii. Excellent. Vraiment, ce DLC est vraiment super cool. Et Nintendo a eu l'excellente idée de faire plusieurs vagues et de ne pas proposer justement tous les circuits en un coup. Ça rajoute un peu à la surprise. Cité Sorbet, donc là, il n'y a pas d'indication. Peut-être que c'est un circuit original qui n'existait sur aucune autre console. Il l'aurait précisé sinon. Si vous connaissez ce circuit et sur quelle console il était, vous me le mettez en commentaire. Mais j'ai bien l'impression que c'est un circuit inédit qui est magnifique. Nous partons au pays des glaces. Et c'est le dernier de cette coupe hélico. Oh là là, il est super, hein, hyper coloré. Oh la vache. Et pas forcément hyper facile. Là, attention à pas se prendre la rambarde. Ouf, c'était moins une. Là, on est sur un circuit qui est très aérien, comme vous le voyez. On fait pas mal de sauts. Et du coup, on va moins vite que d'habitude. Regardez, je suis troisième, là. Faut vraiment pas que je me laisse distancer. On fait que des sauts, en fait, sur ce truc. Allez. Ouais, il était plutôt long, ce circuit, je trouve. Oh, regardez ces gros cornets de glace absolument magnifiques. Alors, il est très beau ce circuit, hein, pastel avec plein de sucreries, de glace et de petits gâteaux et tout. C'est peut-être le plus joli, mais c'est pas mon préféré parce qu'il est très très lent. Il n'y a que des sauts comme ça, c'est vrai que c'est un peu galère pour prendre de la vitesse. Mais sinon, il est très beau. Regardez, il y a un hélicoptère en forme de glace avec un cornet, excellent. Et nous entamons le dernier tour.
Aïe. Ah non, ça fait mal. Et j'ai pas une avance énorme en plus. Attention. En tout cas, ce décor fait très très envie. On a envie de croquer dedans. Magnifique. Franchement, somptueux. En plus, il doit y avoir pas mal de petits passages cachés que j'ai pas eu le temps de trouver. Et ça va être la fin. Je pense que je vais gagner également cette coupe. La ligne d'arrivée, elle est là. Et c'est le cas. Encore une coupe de gagner. Décidément, ce DLC de Mario Kart 8 Deluxe, eh bien, je vous le conseille. Il est vraiment bien, il coûte pas très très cher. Et vous aurez au final énormément de circuits en plus. Les meilleurs circuits de toutes les versions passées sur les consoles précédentes. Vous allez pouvoir y rejouer en version remasterisée. Ça, c'était la vague 2. Après la sortie de la première vague en mars, aujourd'hui, au mois d'août, eh bien, c'est la vague 2. Je croise les doigts pour que la vague 3 arrive avant la fin de l'année. Je vous le présenterai bien entendu sur la chaîne. Vous n'oubliez pas les pouces bleus et les commentaires. C'est en bas que ça se passe. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour d'autres courses folles sur Mario Kart 8 Deluxe et sur Hero Game Company. Merci à tous et portez-vous bien. Bye bye. Ciao.